Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition des séances de travail du CRC, des débats, des présentations suivies d'une étude. Aujourd'hui, nous prolongeons l'étude, l'analyse du préambule de la Constitution de 1946 autour de l'article 8. Donc je vais commencer par une présentation et mes collègues, bien sûr, réagiront à celle-ci. Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Si l'on pourrait se réjouir de la reconnaissance ici de la capacité d'intervention des travailleurs dans les domaines des conditions de travail ou de la gestion de l'entreprise, notre joie demeure de courte durée du fait de l'encadrement et du flou entachant cet article 8. Imprécision sur les noms utilisés, travailleurs, délégués, entreprises, qui sont-ils? Les travailleurs visés ici sont-ils salariés, sous-traitants, travailleurs indépendants? Les délégués, d'où viennent-ils? De qui tiennent-ils leur mandat et selon quelles modalités? Quelles sont les limites de leurs prérogatives? Idem, évidemment, pour la notion d'entreprise. Nous appliquerons donc un point de pénalité pour imprécision sur les noms utilisés. On notera par ailleurs que seule la participation au travers de la délégation est reconnue. Ainsi, la participation directe des travailleurs en ces matières n'est pas permise, aucune voie alternative à la délégation n'étant spécifiée. Ceci est la marque d'un déficit de démocratie directe dans l'entreprise. Une autre imprécision grave concerne le verbe participer. En effet, d'aucune façon cette participation n'est définie, ni de quelle manière celle-ci s'exerce, ni sur quel périmètre. Cette lacune est particulièrement flagrante pour ce qui concerne la gestion des entreprises. Nous appliquons donc un second point de pénalité pour imprécision sur l'usage de ce verbe. Enfin, l'expression détermination collective, appliquée aux conditions de travail, est des plus floues, puisque les acteurs de cette collectivité, leurs prérogatives respectives, mais aussi les modalités de la délibération, sont laissées à l'appréciation du lecteur. Nous appliquerons donc un troisième point de pénalité pour imprécision à cet article 8. Voilà, messieurs, l'analyse que je fais de cet article, que je vous livre à délibération. Christian, peut-être? Oui, bon, cet article, hein, il est bon. Tout ce que tu viens de dire est tout à fait exact, très imprécis. Il pose quelques idées comme ça sur la table en vrac, et il est bien dans la lignée des autres articles précédents que nous avons déjà vus et de ceux que nous allons voir par la suite. Ça confirme encore une fois, s'il en était nécessaire, que ce préambule de Constitution de 46 n'a pas vraiment de caractère juridique, législatif, mais plutôt un caractère presque religieux, caractère de prêche ou d'incantation de certaines choses à faire et que
Ce préambule, en tant qu'élément constitutionnel, laisse à la loi ordinaire qui est en dessous le soin d'établir les modalités précises, mais à dire si peu de choses en tant que principe, ça revient quasiment à laisser libre cours à la loi pour écrire ce qu'elle veut. En fait, cet article 8, grosso modo, pose les bases du droit du travail. Voilà, ils disent, bah, il va falloir écrire un petit bouquin avec 1000 ou 2000 articles qui vont. Un petit bouquin qui, ben, ces articles vont codifier, réglementer les relations contractuelles qui vont s'établir entre les salariés et les patrons dans une entreprise. Alors, lorsque, effectivement, le mot travailleur est inapproprié, puisque là, il s'agit très clairement de salariés d'entreprise, donc il ne s'agit pas de travailleurs indépendants, par exemple, ni même des travailleurs que sont les patrons. Les patrons sont aussi des travailleurs. Donc, le mot qui me paraît le plus inapproprié, celui qui, même plus que d'imprécision, me paraît vraiment inexact, il conviendrait de remplacer, enfin bon, ce n'est pas notre but de faire, mais si on lit tout le reste de la phrase, tout le reste de l'article 8 de façon attentive, on s'aperçoit que le mot travailleur n'a aucun sens. Manifestement, on veut parler des salariés d'entreprise. Donc, on nous dit que les salariés d'entreprise doivent, enfin peuvent, alors, ont la possibilité d'intervenir sur les conditions de travail de leur entreprise. Bon, là, un principe qui est posé. On nous dit ensuite que ils peuvent intervenir sur les conditions de travail par l'intermédiaire de leurs délégués. Bon, les délégués. On apprend simplement que, il va falloir qu'on codifie dans précisément le droit du travail les procédures de nomination, de représentation des délégués. Bon, de façon très, très juste, tu as indiqué que la démocratie directe était évacuée de ce point de vue, puisque la participation des travailleurs, donc des salariés d'entreprise à l'intérieur d'une entreprise, à la détermination des conditions de travail ne peut se faire que par l'intermédiaire de délégués. Donc, on est dans le système représentatif qui est décliné, le système représentatif législatif que nous connaissons. Les lois sont édictées par une minorité de citoyens. Ce principe est décliné au niveau de la micro-société qui est celle d'une entreprise. Dans cette micro-société, eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire que les citoyens de cette société ne pourront intervenir dans la fabrication de la loi, hein, puisque les conditions de travail, c'est un petit peu la loi de fonctionnement d'une entreprise, ne pourront intervenir que par l'intermédiaire de leurs délégués. Donc là, on a une logique qu'il convient de souligner, même si c'est une logique qui est une logique qui évacue la démocratie, en fait. Voilà. C'est une affirmation de la validité constitutionnelle de l'oligocratie. Et voilà. Alors maintenant, il manque peut-être. Alors, manifestement, il y a plus qu'une une imprécision, une lacune. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous dit que les représentants des salariés participent à l'élaboration du règlement intérieur de fonctionnement de l'entreprise. Participer, c'est, tu l'as d'ailleurs, tu l'as indiqué, on ne sait pas ce que ça veut dire participer. On ne sait pas si c'est à égalité de parole avec le chef d'entreprise ou pas. Voilà. D'ailleurs, le droit du travail ne règle pas non plus de façon très précise cette incertitude. Et voilà, bon, on ne peut que le remarquer, le souligner. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai relevé sur ces commentaires. J'invite Jean-Charles à poursuivre. Vous avez dit beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il est difficile
de rajouter des choses. Moi, ce que je constate, c'est que cet article ouvre, comme beaucoup d'autres d'ailleurs dans ce préambule, ouvre des perspectives, ouvre des champs, mais d'une façon, comment dire, très, très imprécise. Comme des bases de négociations qui auront lieu plus tard, puisque là j'ai quand même l'impression depuis quelques articles qu'on est en train de parler de syndicats, on a parlé de droit de grève juste avant, etc. C'est vraiment l'ambiance travailleur face au chef d'entreprise, hein. C'est un petit peu le préambule à ce genre de négociation. Et là, je parle de négociation à dessein, au lieu de parler de loi, de mise en place de loi. Quelque chose de, enfin, il aurait certainement été plus serein que ce texte soit écrit dans la perspective de loi, mais on a l'impression que ce texte est écrit dans la perspective de négociation. C'est un petit peu ce que je pense. Voilà. Donc ça modifie un petit peu la lecture, et peut-être que c'est à tort, hein, je ne devrais pas le faire, mais je ne peux pas m'en empêcher. Donc, d'autant plus quand, surtout lorsqu'on lit le dernier mot, gestion des entreprises. Participer donc à la gestion d'entreprise. Donc c'est quand même ce qui a été mis en place à travers le droit du travail. Les comités d'entreprise sont nés à cette époque, les délégués du personnel, voilà. Donc c'est vraiment tout l'édifice qui s'en vient dans l'histoire qui suivra, qui est jeté là. Alors donc en fait, on peut se dire que avec le recul, on se rend compte que cet article aura eu son importance, si quand bien même, en tout cas, il était dans l'orientation de l'histoire du droit du travail à ce moment-là. Et voilà, donc c'est cette perspective que je voulais ajouter, mais bien évidemment, comme la plupart des articles, en tout cas à cet endroit-là, du préambule qui parle spécifiquement du droit enfin, qui est en relation avec le travail, au sens large. Je rappelle que l'article précédent parlait du droit de grève, et l'article encore précédent parlait de l'action syndicale. Alors, voilà, c'est quand même étrange de parler, là, je parle d'un autre article, mais de parler d'action syndicale, voilà, c'est vraiment très flou. Donc, voilà, on en est là. On est, en fait, c'est un entre-deux, ce préambule sur beaucoup de sujets. On le voit, on a des intentions, on pose des perspectives, on essaye d'ouvrir des champs. On essaye de consacrer, comment dire, la fenêtre qu'on est en train d'ouvrir après la guerre. C'est vraiment cette ambiance-là. Les imprécisions sont plutôt des cailloux blancs qui sont jetés pour l'avenir. C'est comme ça qu'on peut lire, voilà, ce préambule. J'ai l'impression que c'est ce qui s'applique, c'est l'esprit qui s'applique à ce préambule. Pour le lecteur, voilà. En tout cas, le lecteur que je suis. Voilà. Merci beaucoup Jean-Charles, merci Christian. Christian, tu veux réagir? Bah, oui. Oui, j'ai quelque chose à rajouter parce que bah, je redécouvre cet article. Que je connaissais, mais quand on se met à le décortiquer, et tout d'un coup, il apparaît des choses qu'on n'a pas forcément vues au premier abord. Et à la relecture de cet article, il me vient une réflexion. D'ailleurs, Jean-Charles a mis le doigt sur la base de cette réflexion quand il a parlé de gestion d'entreprise. Alors, quand on relit cet article bien, il faut voir que bon, donc, tout salarié, enfin, tout travailleur participe. Donc c'est pas peut participer, hein, c'est participe. Participe, bon, par l'intermédiaire de ses délégués, d'accord, à la gestion des entreprises.
Voilà ce que dit la Constitution. Bon. C'est quand même, c'est très fort, ça. Ça veut dire que constitutionnellement, dans une entreprise, les salariés participent à la gestion. Enfin, peuvent participer s'ils le désirent. Ils participent par l'intermédiaire de leur délégué. Bien, donc là, on est dans le système oligocratique, pas de problème. Mais moi, je suis frappé par le fait que un article constitutionnel dit qu'une entreprise, c'est un endroit dans lequel il y a donc deux entités, ça on le sait, hein, c'est l'employeur et les salariés, et que les salariés participent à la gestion. Alors, ça c'est, je veux dire, c'est pas une interprétation, c'est vraiment la lecture littérale de cet article. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que ça n'est pas pratiqué. Hein? Les travailleurs ne participent pas à la gestion de l'entreprise. Donc, il n'y a pas une incohérence, ce qu'on appelle l'incohérence interne dans notre méthodologie d'analyse critique. C'est-à-dire qu'on n'a pas en dessous de la Constitution une loi qui dit les travailleurs ne participent pas. Non. On a tout simplement une constatation de la réalité qui est que les travailleurs ne participent pas à la gestion des entreprises. Donc, ce qu'on peut relever, c'est que cette règle très forte qui est posée par l'article 8 du préambule n'est pas appliquée. Voilà. Bon, alors après, chacun en tirera les conséquences politiques qu'il veut, mais je suis un petit peu surpris quand même, bon, n'étant pas un spécialiste de l'action syndicale et du socialisme, etc., je suis surpris que les centrales syndicales et les partis de gauche, notamment, n'appuient pas régulièrement sur cet aspect des choses en disant nous voulons participer à la gestion. Alors, participer à la gestion, c'est pas déterminer les conditions de travail, c'est pas le CHSCT, hein, c'est pas le comité d'hygiène, de santé, de sécurité entreprise. Il s'agit de participer à la gestion. Donc, d'intervenir dans le choix des achats, le choix les choix des politiques marketing, etc., etc. C'est tout ça, les champs d'entreprise. Bon, donc, ça n'est pas appliqué. Pourquoi? On peut se poser, là, ça devient politique. C'est pas appliqué. Alors, moi, j'ai ma petite idée. Je pense que ben, les centrales syndicales, les partis de gauche, que je viens de citer, n'ont pas envie de participer à la gestion de l'entreprise, si ce n'est que hein, sur des bricoles, comme les conditions de travail, ou choses comme ça, mais sur la vraie gestion comptable, financière, ils n'ont pas envie de s'y impliquer. Bon, c'est objectivement une constatation, et je ferai un parallèle avec le problème de l'autogestion. Parce que finalement, cet article 8 du préambule, il annonce autogestion. Il dit, mais attendez, une entreprise, on va vous expliquer hein, ce que dit la Constitution. Une entreprise, c'est un truc autogéré. Autogéré, c'est-à-dire qu'il y a le patron, oui, et puis on gère en commun. Et on constate, historiquement, hein, en France tout au moins, que chaque fois que, il est question de placer une entreprise en autogestion, les salariés n'en veulent pas. Les syndicats n'en veulent pas, les partis de gauche n'en veulent pas. Ils veulent un autre patron, si le patron est défaillant ou s'il y a un problème d'entreprise, chaque fois que, d'ailleurs, les expériences d'autogestion post-68arde, dans le Jura, l'IP, etc., etc., bon, on a constaté que ça ne fonctionnait pas parce qu'il y arrive un moment où les salariés n'ont pas envie de s'occuper de la gestion d'entreprise. Ils veulent que le patron s'en occupe, hein, et puis que le rapport de force perdure. Un rapport de force qui a finalement pour seul intérêt, du point de vue des salariés, d'obtenir, chaque fois que c'est nécessaire et que les circonstances leur sont favorables, une augmentation de leurs avantages sociaux, etc. Donc voilà un petit peu, brossé à trait rapide, non pas les conséquences, mais la face cachée en creux de cet article 8, tel que je le vois. Ah, alors Jean-Charles veut réagir du coup. Oui.
Alors, Ouais, je conclurai après, alors du coup, si... nous ne sommes ni les uns ni les autres les témoins exhaustifs de la vie syndicale en France. Christian, donc, a un avis que, à la fin des fins, je vais rejoindre sur le fait que peut-être que les syndicats n'exercent pas un droit qui leur serait accordé, ou en tout cas, les syndicats et puis les entreprises, les patrons ne laissent pas les syndicats exercer cette prérogative qui semble être inscrite dans ce préambule. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà. Donc moi, je vais parler de mon expérience forcément, mais sans illustrer exactement. Mais enfin, disons que ce que je vais dire vient de mon expérience. J'ai été dans une entreprise où on avait des salariés et des syndicats, pardon, qui allaient jusqu'à comment dire, orienter la politique, donc c'était un média, la politique éditoriale, au-delà des conditions de travail, au-delà d'un certain nombre de prérogatives syndicales habituelles. Il y avait quand même des débats sur l'orientation, où est-ce qu'on mettait le budget, et pourquoi on faisait tel et tel et tel choix. Mais il est vrai qu'au bout du compte, tu as parlé de rapport de force, Christian, il est vrai qu'au bout du compte, on avait beau palabrer, etc., suivant le profil de la direction et le budget qu'elle avait, et la possibilité qu'elle avait à agir par rapport à l'actionnaire principal, on va dire, eh bien oui, effectivement, il n'y a toujours qu'un seul, une seule main qui signe l'échec. Voilà. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que toute participation partagée n'existe pas, ou alors, bon, c'est chez les bisounours, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours qu'un seul qui signe l'échec. Et c'est ça qui se passe. Donc, quelle que soit la décision qui sera prise, elle échouera au directeur de l'entreprise et à ses dirigeants. Donc oui, il y a des syndicats qui essayent d'agir dans ce sens, sur des orientations, sur des choix, voilà. Mais bon, voilà. C'est juste ce que je voulais rajouter, c'était que les syndicalistes, suivant leur profil, suivant les entreprises, suivant ben, la population qui est dans les cellules syndicales, il y a certains syndicalistes qui tentent d'utiliser ce droit qui semble être accordé dans cet article 8 de participer à la gestion de l'entreprise. Mais bon, au bout du bout, c'est peut-être en fait une sorte d'hypocrisie, ou en tout cas une impossibilité physique. Il n'y a qu'une main qui signe le chèque. Voilà. Merci Jean-Charles. Bah, à moins que Christian veuille ajouter quelque chose, je vais apporter de l'eau à ton moulin, Jean-Charles, parce que j'ai pratiqué la même chose. J'ai aussi eu un passé de syndicaliste à une époque. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'ai souligné l'imprécision grave du verbe participer, bah, elle est tout à fait là, en définitive. Oui, on participe, c'est-à-dire à l'époque, il y avait les CHCT pour la partie conditions de travail. Et puis il y avait les CE, maintenant ils ont regroupé ça dans le CSE. Mais en définitive, cette participation, alors ça peut aller loin, parce que parfois ça les challenge quand même la direction. Hein. C'est pas non plus simplement c'est pas simplement décoratif. Hein. Mais au final, effectivement, cette participation ne va pas jusqu'à la décision. C'est-à-dire que ne va pas jusqu'à signer l'échec, pour reprendre ton expression. Donc ce n'est pas vide de sens, mais voilà, c'est très... disons que c'est une participation, Christian dit elle n'existe pas, je n'irai pas jusque-là. Ça dépend des entreprises, ça dépend aussi du rapport de force dans l'entreprise, de sa typologie, si c'est une typologie étatique ou totalement privée, notamment, ça joue énormément, ça joue dans le rapport de force. Mais disons qu'il participe à la marge. Je pense que ce serait plus juste de dire ça.
Je voudrais rebondir aussi sur ce que vous aviez dit précédemment, sur le fait que on voit bien dans ces articles, dans cet article 8 également, que c'est le résultat d'un rapport de force. On voit bien que la Constitution, les constitutions sont toujours le résultat d'un rapport de force pour faire. Alors, il y a une classe dominante, jusqu'ici, tout du moins, mais cette classe dominante, elle n'est pas de fois challengée par les autres classes. Et s'il y a un état des lieux qui se trouve cristallisé à un moment dans une constitution. Et c'est un peu ça, cette résultat d'une négociation, comme disait Jean-Charles également, qui en fait aboutit à cela. Donc ça, c'est important à noter. On y reviendra dans d'autres débats, hein, qui ne sont pas notamment sur. Peut-être sur la société sans classe, etc., qui sont inscrits à l'ordre du jour du CRC, que le droit tout seul, il n'est pas en l'air, quoi. Il est en rapport avec les choses sociales. Bon. Peut-être un dernier point, c'est sur ce que disait Christian, qui m'a, je l'avoue, un peu surpris, venant de Christian. Qui est, je le rappelle, l'auteur d'un livre, notamment qui s'appelle Vers la démocratie directe, avec une constitution de démocratie directe, dans laquelle il amène tout un tas d'arguments très intéressants sur la participation des citoyens, justement, à la vie démocratique, à la vie politique. J'étais surpris qu'il prenne cet exemple qui, quelque part, contredit son discours par ailleurs, sur le fait que dans les entreprises où il y a de l'autogestion, bon, au final, les salariés, pas simplement les représentants des salariés, mais même les salariés eux-mêmes n'étaient pas intéressés à participer à la gestion de l'entreprise. Ce qui, quelque part, même si c'est relatif, parce que on est dans un contexte de concurrence, d'économie de marché, etc., etc. D'accord. Mais malgré tout, ça m'a un peu surpris et voilà, ça montre que l'ouverture d'esprit de Christian à ce propos, qui du coup, bien évidemment, peut réagir. Vas-y, Christian. Oui, tout simplement dire que ça n'est pas du tout contradictoire. Mais il faut expliquer pourquoi ça n'est pas contradictoire et pourquoi même ça renforce les arguments. C'est que on ne peut pas extraire, hein, de son contexte une situation. Et si aujourd'hui, quand je dis que les salariés, pour faire un raccourci, ne veulent pas de l'autogestion, ils ne veulent pas de l'autogestion parce qu'on est dans un système capitaliste, oligocratique, croissantiste. Ça n'est pas forcément lié à la nature humaine de vouloir ou de ne pas vouloir l'autogestion. C'est un ensemble de l'esprit du corpus législatif qui va faire que les choses, enfin que les gens vont se comporter de telle ou telle façon. Donc là, peut-être il y a aussi une approche un petit peu différente. Je pense que les gens se comportent d'une certaine façon parce qu'ils sont dans un certain corpus législatif. Et c'est pas le contraire. C'est que lorsqu'on va changer les lois, on va changer les comportements. Ce n'est pas les comportements qui vont changer les lois. En tout cas, je rappelle que cet article 8, en fait, il énonce l'autogestion. Parce que quand on dit participer à la gestion, ce n'est pas avoir son mot à dire. Sinon, on aurait dit on a un petit mot à dire. Non, participe à la gestion. Donc, cet article 8, alors on va dire, c'était après la guerre, c'est les communistes. Oui, mais bon, il énonce l'autogestion. Donc ça veut dire qu'une entreprise, si on lit cet article 8, c'est une entreprise autogérée. Participer, enfin autogestion, c'est pas la même chose quand même. Eh Autogestion, c'est bien, géré moi, du par coup, tous les gens. oui, Voilà, c'est la polémique. participer, c'est participer, tu as une partie. C'est-à-dire que participer, c'est une partie. Il y a une part de la gestion On ne sait pas laquelle. qui revient. Bah, On une sait voie pas laquelle. consultative. Aujourd'hui, c'est une voie consultative, c'est un droit de regard sur les comptes, c'est des choses comme ça. Non, mais oui, ça, c'est la réalité. Mais si on lit textuellement l'article, participer, on participe à la gestion. Bon, on peut imaginer que c'est de l'autogestion. On peut imaginer qu'on participe Oui, à part égale. voilà, si on était, voilà, si là on est dans le niveau minimal, mais on pourrait aller au niveau maximal. Voilà, bon, Mais ce qu'on
Ce qu'on peut constater, c'est que les salariés ne se sont pas emparés de cet article 8. Ne se sont pas emparés de cet article 8 pour dire nous voulons autogérer les entreprises. Et lorsque je dis qu'ils n'en veulent pas, mais que par ailleurs je suis partisan de la démocratie directe, je suis partisan de la démocratie directe dans un système juridiquement complètement changé. Aujourd'hui, je comprends fort bien qu'un salarié ne soit pas tenté par l'autogestion de son entreprise. Je comprends. Parce qu'il y a tout un ensemble de lois, une organisation de la société qui fait que il va pas sentir à l'aise. Voilà, il va être décalé. Par contre, si on modifie l'ensemble de tout ce corpus législatif, et que d'ailleurs il n'y a pas d'autre possibilité que d'avoir des entreprises autogérées, ça change tout. Alors, ça sera un débat que nous aurons une autre fois. Après, c'est aussi presque un débat sur la nature humaine, hein. Est-ce qu'il y a toujours 20% de la population, si vous me permettrez, je finirai là-dessus, même si ça déborde un petit peu de cet article 8, est-ce qu'il y a toujours peut-être 20% de la population qui est extrêmement ambitieuse et qui veut agir en ce monde, 20 autres pourcents qui sont toujours, qui ne feront jamais rien et qui sont juste des dormeurs, et puis le reste qui suit la masse, nous en débattrons une autre fois. Merci messieurs, à très bientôt donc pour l'analyse d'un autre article et pour d'autres débats ouverts. Au revoir.